Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a reçu aujourd'hui une délégation malienne conduite par le secrétaire général du ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile, Asser Kamat, à la veille de la tenue de la quatrième session du comité mixte de sécurité. Écoutez à ce propos la déclaration du responsable malien. La commission mixte de sécurité, comme vous le savez, c'est un peu l'héritage de notre longue tradition d'échange, de partenariat. Et donc, elle va statuer sur l'ensemble des aspects sécuritaires et sur d'autres aspects. Parce que la délégation que je connais n'est pas uniquement sécuritaire. Vous avez l'administration territoriale, vous avez en fait un ensemble de départements qui se retrouvent et c'est tout cela qui fait l'intérêt et le charme de ce comité de sécurité. Il reste entendu que les défis de l'heure, vous les connaissez autant que moi. Et pour les résoudre, je dois ici saluer la part importante que le gouvernement et le peuple algérien prennent pour la stabilisation du Mali. Et ce n'est pas un hasard si le dernier accord que nous avons, il s'appelle, en tout cas au plan national, nous l'appelons les accords issus du processus d'Alger.